lors de cette démarche qui dure 3 ans, on accompagne les agents des collectivités à intégrer les pratiques d'accompagnement au changement. Elle a concerné essentiellement les agents. Les agents de notre collectivité, Grand Besançon Métropole, mais aussi les voisines, les cousines, donc la ville de Besançon, le Cyber, la communauté de communes du Doubomois avec laquelle on était territoire énergie positive. On a constitué une équipe projet avec 5 acteurs principaux. Donc nous, le CPI de la Bresse du Jura, on coordonne et on anime l'ensemble de la démarche. On a Nicolas Debray, qui est agitateur de particules démocratiques. On a Lara Manque-Joubert, qui est accompagnatrice du changement. Cyril Maslow, de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis Benoît Thévard, ingénieur conseil en énergie et en résilience des territoires. Je suis très 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 contente d'avoir pu être accompagnée comme ça par cette équipe. Ça m'a donné beaucoup d'énergie. On fait une série de 8 ateliers d'appui à la pratique. C'est un mélange entre de la formation et des séances d'analyse de la pratique professionnelle. Ce que j'ai vécu pendant cette formation, c'était plusieurs moments dans l'année, à quelques mois de décalage, donc ce qui a permis de suivre l'évolution du projet aussi. On va à la fois fournir des apports, des outils d'animation, et puis des outils pour leur permettre de revenir sur leur pratique professionnelle, d'échanger leurs expériences. On fait beaucoup d'échanges sur nos difficultés, les solutions, etc. Et ça, ça a été très, très formateur et très porteur pour moi. Sur ces 3 années, je pense que ça a fait évoluer tous les gens qui ont participé, de près ou de loin. J'ai bénéficié de la dernière partie, qui est plutôt la partie formation. En fait, ce qui m'a aidé, c'est de travailler vraiment sur ma posture, sur le discours que j'ai à tenir, c'est-à-dire quel argumentaire à mettre en avant par rapport à un autre. On a formé un petit groupe d'une douzaine d'agents qui est maintenant constitué au sein de la collectivité, qui a envie, qui est motivé, qui a vu aussi les apports que ça pouvait avoir dans sa pratique, à la fois de travailler l'accompagnement au changement et à la fois de travailler ensemble. On se dit qu'il y a un vrai enjeu à travailler ces questions d'accompagnement au changement, également avec les élus, mais là on l'imagine de façon plus proche que ce qu'on avait pensé jusque-là. On l'imagine avec un binôme peut-être, où on pourrait avoir un travail où avance en même temps, de concert, un agent et un élu, et tous deux volontaires. Le changement, ça se fait pas en un jour et il faut être patient.